s'inscrit, c'est la ligne 14. Voilà, merci Monsieur le Président. Bon, le groupe votera pour ce rapport, bien entendu, mais c'est juste pour me relever en faux contre la première ligne de ce rapport qui dit que le prolongement de la ligne 14 du métro entre la gare Saint-Lazare et la mairie de Saint-Ouen constitue la solution choisie pour désaturer la ligne 13. Alors, la solution choisie, c'est vrai, mais vous colportez un mensonge, et je tiens à ce mot, de la part du STIF et de la RATP, parce que si la ligne 14 arrivait, la prolongation de la ligne 14 arrivait à désaturer la ligne 13, je serais le premier à m'en réjouir. Or, même les études qui montrent que ça fera diminuer de 10, 15 ou 20% l'occupation de la ligne 13, celle-ci étant déjà saturée à 120 à 130%, la désaturation sera toute relative et le temps qu'ils la construisent, l'augmentation de la fréquentation, fait qu'il n'y aura aucun règlement pour la ligne 13. Et donc, oui. J'insiste pour ma part sur l'idée qu'il faut débrancher la ligne 13. C'est la seule solution pour que les gens soient transportés dans des conditions décentes.